Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue G.I. Joe avec le Cobra Fang 3 de la gamme G.I. Joe contre Cobra. Alors pourquoi Fang 3? Pour la petite histoire, il s'agit ici de la troisième mouture du célèbre hélicoptère Cobra de 83. Donc il n'a plus rien à voir avec la forme qu'il avait à l'origine, hein. Une forme très simple, très carrée, mais le concept d'hélicoptère reste le même. Voilà ce qu'on va pouvoir constater dans la suite de la revue. Pour l'instant, on va regarder le blister de plus près. Un blister très vert, hein, comme tous les packaging de cette gamme. Une très grosse gamme, hein. Une gamme qui devient de plus en plus cotée, hein, et dont les différents véhicules deviennent de plus en plus compliqués à trouver en très bon état et complet. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc je disais, on regarde tout de suite le blister de plus près. Ici, on a l'intitulé de la gamme, vous voyez, bon, on a toute l'équipe ici. G.I. Joe, un petit peu, vous voyez, à l'ancienne, un type années 60, là, c'est marrant. Et Cobra, bien sûr, avec le célèbre logo, plus de 5 ans, indiqué en haut. Ici, on nous dit que des piles sont incluses, alors forcément, depuis le temps, il a fallu que je les change pour la revue, hein. Voilà. Alors, donc, il apparaît normalement dans le blister, sauf que, bon, je l'ai enlevé, hein, forcément. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Bruit de combat. Donc ça, c'était la gimmick, hein, inhérente à la gamme, hein, ce qu'on pourra constater par la suite. Ici, on a le petit dessin du Cobra Fang 3. Cobra Fang 3 avec Cobra Claws, donc c'est le personnage. Donc ici, on avait la possibilité de l'essayer, vous voyez. Voilà. Et bon, il bouffe pas mal de piles, celui-là. Donc voilà. En dessous, bah, plein de logos et du blabla. Hasbro, voilà. Sur les côtés, bah, rien du tout. Et au dos, on nous dit plein de choses. Vous voyez, donc on a des petits dessins assez simplistes de l'engin. On nous dit qu'il faut appuyer sur le côté pour déclencher des bruitages de tir. Ok. Ici, il faut faire tourner les hélices pour entendre des bruits de moteur. Ce qui est assez excellent pour un petit hélico de ce gabarit, hein. On appuie ici pour envoyer un missile. Alors ici, c'est pas super bien indiqué, mais quand même, voilà. Et enfin, ici, on nous dit que il faut glisser le lance-roquette dans la forme prévue à cet effet et appuie sur le bouton pour déclencher des bruits d'explosion. Ça, c'est ce concept-là était plutôt cool, hein. Et puis ici, bah, le pote de gamme, vous voyez. Donc nous, on va regarder celui-ci. Et bien sûr, bruit de combat, encore une fois, puisque c'était la gimmick mise en avant dans cette gamme. Donc là, c'est trop petit, mais de toute façon, ça n'a aucune importance, ce sont juste des coordonnées. Alors, quand on ouvrait le blister, en fait, vous voyez, à l'arrière et à l'envers, on avait d'autres petits détails sur l'hélico, et on a la carte de personnage qui est plutôt vide ici, hein, voyez, mais au moins, on a une carte de personnage. Alors ici, on nous dit quoi? Les hélices se déplient, ça c'est super fun. On nous dit aussi que la queue de l'appareil est amovible, donc ça n'a pas grand intérêt, sauf si on peut le stocker sur un autre véhicule, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans sa présentation en blister, la queue de toute façon de l'appareil est enlevée. Hein. Et puis c'est tout si on nous montre ici, hein, les accessoires, hein, qui s'ajoutent. Et puis comme je vous disais, la fameuse carte de personnage, Cobra Claws, pilote d'hélicoptère. Plus simple, tu meurs. À l'intérieur, un énorme catalogue de précautions, vous voyez, dont on n'a absolument rien à cirer. Et une toute petite notice, car en fait, il est plutôt simple à manier. Vous voyez, on nous indique ici comment on peut changer les piles et à quel endroit. Et au dos, on a une vue, hein, de l'hélicoptère sur plusieurs plans. Et ici, on nous dit que ça contient un véhicule, un lance-roquette, missile, figurine articulée et mode d'emploi. Ceci étant le mode d'emploi, comme il n'y a pas de sticker, la notice est plutôt petite, hein. Avant de passer au reste, on va jeter un petit coup d'œil à la figurine. Il s'agit donc de Cobra Claws, hein, les griffes Cobra, pourquoi pas. Alors, les figurines de cette époque-là n'étaient pas aussi belles, hein, que celles, par exemple, de Rise of Cobra. Et pourtant, il y a que quoi, 5 ans d'écart, à peu près. Elles avaient une apparence beaucoup plus toonesque, hein, alors que celles de Rise of Cobra, par exemple, ont une apparence beaucoup plus réaliste. Mais
il faut quand même regarder ce look-là qui est assez spécial. Ça fait une grosse armoire à glace. Le gars, il est taillé en V. Hein. voilà, plutôt sympathique. J'aime bien les couleurs. Donc, les couleurs sont les couleurs de Cobra. J'aime bien le design de cet accoutrement. J'aime beaucoup, par contre, le casque. Vous voyez. Un très joli mold, hein, finalement, sur ce personnage. Par contre, j'ai pas trop confiance dans les articulations des personnages de cette époque. Hein. Mais voyez que en plus le choix des peintures est vraiment super sympa et on a énormément de détails sur ces figurines. Dans cette gamme, Hasbro avait mis le paquet hein, parce qu'il s'agissait ici de relancer hein, la gamme G.I. Joe qui commençait un petit peu à s'essouffler à cette époque-là, au même titre que ce qu'ils ont fait hein, 5 ans après pour le film. Donc ici on a un effet de ceinture hein, mais qui est comment dire moulé hein, sur le personnage. Ici, on a un holster sans rien dedans. Donc ça, c'est plutôt étrange. Ils n'étaient pas très axés sur les accessoires dans cette gamme. C'était vraiment les véhicules qui primaient. Et j'ai envie de vous dire, c'est cool parce que les véhicules étaient vraiment d'une très très grosse qualité. Les plastiques étaient vraiment des plastiques de dingue. Rien que dans ce petit hélico-là, ce que vous allez voir, c'est ouf. Vraiment ouf. Vous voyez les gants, ici des brassards. Surtout cette tête qui est terrible, ce casque est magnifique. Et au dos, donc on a toujours hein, le branchement donc, pour un éventuel sac à dos. Vous voyez. Et puis sous les pieds, on a des, comment dire, pareil, des branchements hein, pour pouvoir plugger la figurine. Au niveau des articulations, on peut ici faire tourner la tête. On ne peut pas la baisser, hein, mais on peut la faire tourner. Mais vous voyez qu'avec ce tuyau-là, c'est pas trop conseillé. On peut faire pivoter le bras de cette manière. On peut le lever très facilement. Hein, il n'y a pas de ratchet ici. Ici, on a une rotation au coude. On peut plier le coude comme ceci. On n'a rien au niveau du poignet. Les doigts sont en caoutchouc. Ici, on a une rotation, mais elle est sous la ceinture. Vous voyez. On ne peut pas plier la figurine, et c'est pas plus mal. Voilà. Elle était beaucoup plus rigide à cause des problèmes survenus ici sur la plupart des figurines. Au bout d'un moment, ça cassait. Forcément, c'était un élastique qui servait ici à l'articulation auparavant. Donc, rotation ici. Ensuite, les jambes d'avant, arrière. On n'a pas de rotation de la jambe ici. Par contre, on peut plier le genou de cette manière. Et pas de rotation au niveau des pieds, hein, ni d'articulation d'ailleurs. Vous voyez? Donc, des articulations basiques, mais ça allait sur ce type de figurine, ça passait bien. C'était surtout le design qui primait. Hein. Il voulait quelque chose de vraiment cartoon, quoi. Enfin, une figurine plutôt sympathique. En termes d'accessoires, on a double mini Gatling. Donc, vraiment un morceau de plastique basique, hein, on va dire. On a un joli mold, mais il n'y a vraiment pas de quoi se relever la nuit, d'autant plus que. On a vraiment un gros creux, voire 3 gros creux en dessous. Bon, c'est sympa qu'il soit là, mais c'est vraiment pas le truc de ouf. On a également un gros lance-missile ici, vous voyez. Donc, il s'adapte sur l'hélicoptère, ce que je vous montrerai, mais surtout, il a une poignée. Comme certains éléments, justement, qui utilisaient le son sur les véhicules, qui venaient se greffer, pour faire des sons différents, selon l'arme, bien sûr. Les personnages pouvaient les récupérer, certains étant un petit peu trop gros d'ailleurs pour eux. Mais vous voyez, on a une poignée et on peut venir adapter ce missile à close. Donc, on vient simplement glisser la poignée à l'intérieur, la poignée qui est un peu trop petite pour les mains de close ici. Et donc, il y a du jeu. Et en plus de ça, vu les articulations, un petit peu compliqué de transporter ce gros bazar. Vous voyez? Enfin, voilà, on pouvait le faire, mais c'était pas au point. Il aurait fallu une poignée un peu plus grosse ici. Vous voyez. Et donc voici le Cobra Fang 3. Personnellement, je suis très très fan de cette mouture du Cobra Fang. Je le trouve vraiment super original. En même temps, il rappelle bien le Fang de première génération sur le concept, sur la taille aussi. Mais il a un petit côté massif et bourré de gadgets qui est super intéressant, d'autant plus qu'il a un design très peaufiné, hein, ce qu'on va pouvoir constater.
Donc, forcément, il ne roule pas, hein, c'est un hélicoptère, calmons-nous. La première chose, c'est que, vous voyez que les pales ici sont repliées, on peut donc les déplier gentiment et les loquer comme ceci. Voilà. Vous voyez tout de suite, ça ressemble plus à un hélicoptère, hein. Et donc, le truc qui est fun et que vous allez entendre pendant toute la revue, c'est ça. On s'en repaye une tranche. Voilà, donc ça c'est un premier kiff. Hein, faut dire ce qui est. On va le regarder de plus près avant d'y mettre les différents gadgets. Vous voyez ce design. Alors déjà, rien que là, ici la bulle de l'hélicoptère, vous voyez la tête du cobra avec le logo. C'est juste trop beau et trop stylé. Il pèse son poids, hein, il est massif, hein, c'est pas les jouets qu'on nous sert à l'heure actuelle, hein, c'est vraiment du lourd. Hein. Vous voyez? Alors, j'aime énormément le tableau de bord avec le guidon. On peut bien fixer la figurine, hein, dans cet hélicoptère. Le siège, super bien modélisé. Beaucoup de mold, hein, sur cet hélico. Ici, on a donc des petits stickers, à savoir, hein, bien entendu, que sur ce modèle, les stickers sont déjà posés dessus. Hein. Donc ici, on a un haut-parleur. Ici, vous voyez, on a la machinerie, hein, pour le rotor. On a un super sticker au-dessus. Le design des rotors est vraiment sympa aussi. Hein. Donc on a une redite de ce côté-là. Vous voyez l'arrière, ici. On a plein de petits détails aussi. Donc ici on a les deux pôles où on peut positionner des armes à droite ou à gauche en fonction de l'arme, hein, parce qu'il y a des armes qui se mettent à droite et d'autres à gauche pour produire des bruits différents, vous voyez. On a des tout petits skis ici, qui sont plutôt stylés. Hein. On a une énorme, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais à chaque fois, hein, on va appeler ça une dérive, je ne sais pas si c'est juste, mais on va appeler ça une dérive. Vous voyez qu'il y a une pièce ici. On a une autre au-dessus. Et en fait, comme ils disent, on peut enlever cette partie-là. Et donc, il est présenté de cette manière dans le blister. Voilà. Et vu de dessous... Alors, vu de dessous, on a une énorme étiquette pour les piles. C'est un petit peu dommage. Mais c'est très joli et j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, pour enlever, pour changer les piles, vous devez dévisser cette partie. Donc, il faut bouger le lance-missile qu'on a en dessous. Lance-missile tout à fait particulier, puisqu'on a un missile ici en forme de serpent. Vous voyez ? Donc là, ils ont vraiment poussé le délire à fond. Et donc, on peut le diriger, hein, droite, gauche, au bas. Et pour le lancer, il faut appuyer derrière. Vous voyez ? Voilà. Donc, pas super puissant, mais. Pardon. Pas super puissant, mais ce qu'il faut. Hein. Et puis, bon, on a vraiment un design de missile super particulier. So strange. Donc, avant de mettre quoi que ce soit, on va positionner la figurine. Donc, c'est plutôt simple. On va la glisser ici. Alors ça, c'est un truc qui est pas évident à faire derrière la caméra. Je voulais le préciser parce que c'est un fait. Donc là, il faut écarter un petit peu les jambes pour bien glisser. Voilà. Et on va venir ici avec les mains se caler sur le guidon. Comme ceci. Voilà. Donc là, normalement, la figurine est en place. Et franchement, ça pète. Hein. Perso, je trouve que ça pète. Donc voilà pour la figurine. Ensuite, on va venir ajouter le double Gatling ici. Voilà. Ce qui fait que on peut le lever et le baisser. C'est cool. Par contre, on ne peut pas le bouger sur les côtés. Hein. Par contre, il ne tient pas super bien non plus. Hein. Faut le savoir. Et enfin, on va venir loger ce missile. Toujours le même concept, hein. Selon l'arme que vous glissez, il y a un son différent. Et vous voyez qu'avec le lance-missile, franchement, ça pète.
Mais bien. Et donc, le bruit du lance-missile, c'est ici qu'on l'active. Voilà. Un bruit un petit peu robotique. Mais franchement, ça pète. Et j'avoue qu'avec tout le matos sur lui, il a vraiment une super dégaine, hein, cet hélico. On peut bien entendu interchanger cette arme pour avoir d'autres sons. On va mettre ça. Un petit peu gros, mais ça passe normalement. Voilà. Et du coup... Et ça, c'est trop fun. Vous voyez, ça fait vraiment balèze ici. Mais c'est trop fun. Je kiffe. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ce Cobra Fang 3. J'étais très heureux de vous présenter cet hélicoptère parce que c'est pas un véhicule de ouf parce qu'il est pas énorme, mais je suis vraiment fan de ce véhicule dans le sens où il a trop de la gueule et que c'est de la grosse qualité et qu'il est bourré de gadgets alors qu'il est tout petit quoi en fait, hein, voilà. Et voilà, c'est ce qu'on aime chez les G.I. Joe. Par contre, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que c'est peut-être la troisième mouture, mais pour moi, hein, je trouve qu'il garde vraiment l'esprit du premier Fang, hein, tout aussi célèbre qu'un Snowcat, qu'un Water Mocassin, voilà. Et ben, je trouve que ça garde vraiment cet esprit-là, et avec une qualité de plastique qui est vraiment énorme. Et puis, le petit truc qui est vraiment super classe, c'est ça. Et ça, je kiffe. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas de rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas non plus que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.